des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. Décembre 2018 à Paris. Charline R, 29 ans, a été blessée au pied. Opération d'extraction sous anesthésie générale pour un éclat de grenade GLI F4 à Paris le 1er décembre 2018. Alexandre S, 27 ans, a été blessé aux jambes par des éclats multiples de grenade GLI F4 à Paris le 1er décembre 2018. Franck O a été blessé au front par tir de LBD à Paris le 1er décembre. Romain a été blessé par une grenade de désencerclement à Paris le 1er décembre 2018. Benjamin R. a été blessé à la mâchoire, menton, par un tir de LBD 40 le 1er décembre 2018. Mehdi F. a été blessé au torse avec tuméfaction du poumon par un tir LBD 40 le 1er décembre. Christopher a une triple fracture des os du visage à cause d'un tir de LBD 40 le 1er décembre 2018. Diorana, 16 ans, lycéenne vivant à Grenoble, a eu le menton fracturé et deux dents cassées par un tir LBD 40 à Grenoble le 3 décembre. Issam, 17 ans, lycée vivant à Garges-lès-Gonesse, a eu la mâchoire fracturée par un tir de LBD 40 le 5 décembre. Oumar, 16 ans, lycéen vivant à Saint-Jean-de-Bray, a eu le front fracturé par un tir de LBD à Saint-Jean-de-Bray le 5 décembre 2018. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les gendarmes sont à s'élever. Les gendarmes sont à s'élever. Entendez.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là.